Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vais vous présenter un autre modèle de caravane off-road. Donc ça va être la Decan, la Trekking X1. Pour rappel, j'étais passé à la concession Charm Caravaning qui sont situées près d'Épinal, au sud de Nancy. Voilà. Et du coup, ça a été vraiment un coup de cœur au niveau déjà de eux, hein, des deux frères qui tiennent la concession, et surtout au niveau des produits qu'ils proposent. Voilà. Donc du coup, le dernier coup, je vous ai présenté une caravane plutôt familiale. Donc celle-ci peut être aussi utilisée pour une famille, mais pour moi, elle est plus adaptée vraiment pour deux personnes. Je vais vous faire le tour extérieur, le tour intérieur. On va voir un peu en termes d'autonomie, en termes de couchage, en termes de trucs et de machin. On va voir ce que ça a dans le ventre, parce que encore une fois, de l'extérieur, ça dégage beaucoup de caractère. Donc allez, c'est parti, on va faire le tour ensemble. Et là, comme vous pouvez voir, la cuisine est déjà prête à l'utilisation. On est dans un petit cadre vraiment sympathique. C'est vraiment l'avantage de ce type de caravane, c'est qu'on peut s'aventurer dans des chemins qu'on n'a pas l'habitude de s'aventurer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit en caravane traditionnelle, en camping-car ou autre, on est très souvent limité en termes de stationnement. Il y a des endroits où on ne peut pas aller parce que soit c'est interdit, etc. Souvent les accès par la route traditionnelle. Et bien avec ça, c'est vraiment la grosse force, c'est que purée, on peut aller dans des endroits tellement reculés que il n'y aura pas d'interdiction. Souvent, il n'y aura personne d'autre. Notre seul voisin, ça sera la nature, quoi, et les animaux. Donc ça, c'est vraiment pour nous un point très positif. Bah allez, venez avec moi, on va faire le tour là. Donc Trekking X1, bon, mais on peut observer encore une fois hein, qu'on est monté sur de la roue et de la jante. Regardez-moi un petit peu ça. Alors on est sur du il y a combien de pouces ici, il y a tellement de pouces qu'il n'y avait pas assez de place pour l'écrire. On est sur du 17 pouces. Et donc regarde le système d'amortisseur, on est sur du châssis Alco. Moi ça, c'est une des choses importantes pour moi, qu'elle soit posée sur quelque chose de sérieux déjà. Que si les fondations sont pas bonnes, hein, c'est comme pour une maison, si tu n'as pas des bonnes fondations, tu vas pas t'aventurer dans les mêmes routes. Hein. Alors tu vois, je vais te montrer un petit peu le dessus. Donc on est sur une caravane aussi autonome avec une production solaire. Donc tu vois, il y a un panneau solaire. Il y a une galerie là où on peut mettre du bagage. Donc ça, c'est intéressant pour avoir une extension de rangement, parce qu'on est sur un espace quand même très limité. Hein. Vous allez voir l'intérieur juste après. Alors, donc comme je te disais, châssis Alco, on est sur un petit poids, on est sur 750 kg, tu vois. À l'avant, on a un coffre qui permet de mettre de la bouteille de gaz ou des rangements divers. Tu vois, là, on a l'arrivée de gaz. On a la roue de secours. Franchement, ça apporte un cachet. Hein. Les petites lumières LED, la lampe en haut, regarde-moi ça. On a un store extérieur aussi, donc il y a tout un tas d'équipements. Je t'en ai pas forcément parlé dans la précédente vidéo, mais il y a tout un tas d'équipements qui permettent d'aménager l'extérieur et étendre la zone, on va dire, de vie. Voilà. La particularité de celle-là aussi, c'est qu'on a une double porte, tu vois. Une double porte d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc on est sur de la porte, ça moi j'avais été surpris déjà sur le premier modèle, on dirait de la porte blindée. Hein. Ça fait hyper robuste. D'ailleurs, de manière générale, regarde, de manière générale, ça fait vraiment quali. Donc, on est sur de la paroi en alu, on a du pop, regarde, on a du pop partout. Voilà, niveau étanchéité, je trouve que on voit que c'est bien, tellement bien conçu qu'on va avoir quelque chose d'étanche. On est sur du recouvrement, en fait, partout, tu vois. Donc, double porte, on a la protection sur les vitres. Et ici, on a une première zone de rangement. On a un coffre avec du petit rangement ici. Avec toujours, je trouve que c'est bien sur du off-road d'avoir des rangements souples pour que les affaires puissent bouger un petit peu quand même, pour éviter que ça casse, parce qu'on y pense à ça quand même. Hein. Et dessous, on a un grand coffre avec la réserve d'eau. Et ce qui m'impressionne sur ce petit modèle, eh bien, c'est la capacité en eau. Ici, il y a un réservoir d'eau de 105 ou 115 litres de mémoire. Donc il y a une grosse réserve d'eau. Pour rappel, nous, sur notre caravane actuelle, on a 50 litres. Hein. Donc là, on a une grosse réserve d'eau. C'est hyper intéressant. Donc ici, on peut loger des affaires. Là, on est sur de la porte en acier. Hein. Ou alu, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, on est sur quelque chose de rigide. Hein. Ce n'est pas du plastique. Donc après, la partie arrière. On a ça qui s'ouvre. Hein. Je vais te le refermer. Regarde la gueule du truc. Regarde un peu. On dirait un truc de survivalisme. On dirait un tank, le truc, tellement ça a du caractère. Je te jure, ça me rend dingue. Hein.
Donc tu as les petites échelles pour monter, tu as le bouclier anti-atomique ici et la poignée pour ouvrir. Tout est sur vérin. Regarde, on a deux gros vérins là. Voilà. Et là, on arrive sur la cuisine. Donc on a un frigo. Alors on va voir là déjà, tu vois, si on peut manger, dormir, voir comment ça se passe avec ce modèle. Donc on a un frigo. Donc les frigos peuvent, en fonction des modèles, hein, chez Charm Caravaning, tu peux avoir du compression, du normal, enfin voilà, ça peut s'adapter en fonction des besoins de chacun. On a une plaque avec un feu au gaz, on a un évier avec un robinet, des petits rangements, qu'est-ce qu'on a là aussi? Des petits rangements, là voilà, on va mettre les assiettes, et on va mettre les verres pour boire le petit coup, et on a les petits rangements aussi en haut. Il y a quand même, pour quelque chose de compact, il y a quand même de quoi ranger, toi. 1, 2, 3 rangements, plus celui-là, plus le petit là pour mettre les épices ou l'huile et le vinaigre. Hein. Et là, juste à côté, on va retrouver le tableau de commande avec la jauge à eau. Moi, tu vois, ça sur ma caravane, c'est un truc qui me fait défaut. Mais là, c'est bien. Et puis en plus, c'est une jauge un peu à l'ancienne, je trouve. C'est pas mal du tout. Donc, tu as ta jauge à eau. Et après, ben, tu as ta prise de 120, allume-cigare, tes différents interrupteurs, voilà. Donc écoute, on a une cuisine. Ah ouais, mais attends, il y a un truc, je me dis là. Comment on travaille là? Comment on coupe les petits légumes là? C'est par ici. Ben oui. Si tu veux préparer ton bon petit plat là, c'est par ici que ça se passe. Tu vois là, tu te poses. Bon, je ne l'ai pas mise de niveau, hein, je suis resté attelé là. Mais regarde, tu te poses là, tranquille là. Tu découpes tes petits poivrons là. Tu prépares ton bon petit plat. T'es pas mal, hein, franchement. Sachant que. Le lieu de tournage de cette vidéo, c'est un lieu qui n'aurait pas été accessible avec un véhicule trop traditionnel. Vous voyez, ça a demandé de faire un peu de 4x4. Hein. Bon, voilà pour la cuisine. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner. En plus, cuisiner à l'extérieur, nous, c'est vraiment ce qu'on préfère. Donc, quand le temps le permet, c'est top. Bon, on est quand même à l'abri hein, parce qu'on a le capot qui nous abrite. Ici, on a la cabine de douche, en fait. La cabine de douche qui s'ouvre. Pour pouvoir prendre les douches à l'extérieur, et c'est bien pensé parce que ici on a le remplissage de l'eau et ici on a la petite douchette. Donc ça en fait c'est la base dans les caravanes off-road, mais purée que ça nous manque dans les caravanes traditionnelles d'avoir une vraie douchette extérieure pour laver les chaussures ou laver le chien ou se laver soi-même quoi, tout simplement. Donc ça c'est vraiment pratique de l'avoir. Là on a la deuxième porte de soute qui donne de l'autre côté. Voilà, tu vois, on a le réservoir d'eau, ça permet bah, des fois d'attraper des affaires qui ont glissé ou autre. Donc on a de quoi ranger un petit peu, les petits fauteuils pliables ou autre. Voilà. Et de ce côté, on retrouve un petit éclairage LED à l'extérieur, toujours notre protection sur les vitres. Et là, on est sur de la vraie vitre en verre. Hein. Moi, ça, je trouve que c'est un charme supplémentaire hein, quand même. C'est pas un critère déterminant, mais c'est un vrai plus. Voilà. Là, les protections de roues qui peuvent servir de barre ou de siège. Si tu veux poser ton cul sans sortir de fauteuil. Ah ouais, c'est solide. Ah ouais, c'est solide. Ouais. Tu vois, tu te poses là. Il faut être grand quand même. Hein. Mais c'est possible. Tout à fait. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la deuxième porte. Et l'avant, on l'a vu. Donc, il y a des arceaux partout aussi pour la protéger. Des poignées partout, tu peux monter d'un côté et descendre de l'autre. Bon, allez, on va aller voir à l'intérieur. On va aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Franchement, je vais même me déchausser. C'est mon petit côté maniaque. Regarde, tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre pour ventiler et tout, c'est vraiment pas mal. Ah ! Alors, comment ça s'articule à l'intérieur ? Mais je te fais la petite visite comme ça. Donc, on a un toit relevable dessus pour gagner en hauteur, mais déjà, sache que je suis assis, je peux m'asseoir, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, mais je peux pas me mettre debout là. Je peux pas me mettre debout sans lever le toit. Et si je me mets de l'autre côté, je peux m'asseoir, mais non, je suis trop court. Donc il faut que j'ouvre mon toit. Et c'est bien parce qu'ils y ont pensé. Et puis ça se fait en 2 secondes en plus. Là, voilà, là je peux m'asseoir nickel. Je peux surveiller les pêcheurs, surveiller les voisins, voilà, si je suis un peu curieux. Et donc c'est la particularité, grâce à ce toit relevable, je peux être debout dans une partie de la caravane. Tu vois? Donc je t'ai montré ce côté-là. Donc ça, c'est un côté banquette où tu peux t'asseoir la journée, tu peux t'installer une petite table portable là.
Ou sinon, ça fait un lit enfant en fait. Tu as un couchage là et le sol, on a des coussins là. Tu fais un grand lit qui fait à peu près 200 par 150, je te dis pas de bêtises, mais un méga grand lit. Donc du coup, tu peux dormir deux adultes, un enfant sans souci. Tu peux rajouter des petits filets là pour que l'enfant ne tombe pas. Voilà. Donc en termes de couchage, c'est ça, c'est vraiment deux couchages adultes, un couchage enfant. Pour moi, je trouve qu'à deux, c'est carrément top. Ça peut se faire à trois. Après, pour notre format famille, nous, ça serait trop court. Même si, chez Charme Caravaning, ils m'ont dit, eh ben attends, t'as deux couchages plus un, ça fait trois. Et on peut te rajouter une tente de toit dessus. Et du coup, t'as cinq couchages. Donc carrément. C'est-à-dire que tu peux te faire des week-ends ou des vacances, une famille de cinq, quoi. Oui, même, tu peux mettre une, si tu mets une tente de toit qui a plus de place. Donc, c'est tout à fait possible. On a vu le couchage, on a vu la cuisine. On a bien sûr les petits éclairages partout. Tu vois, tu peux. C'est du tactile. Quand tu regardes ce que tu fais, c'est mieux. Tu as des petits éclairages là aussi. Ici, on a du rangement. Oh, la taille du rangement. Tu vois, je ne les avais pas vus ceux-là. Ah, ils sont bien profonds. Hein. Et là, tu en as deux grands comme ça. Là, tu as deux grands rangements. Là, on va faire le tour des rangements. Donc, de là, tu en as sous la banquette. Voilà, taille des rangements. Là, tu peux mettre les vêtements, tout ça. Ouais, là, tu as bien du rangement. Là. Ok. De l'autre côté, est-ce qu'on a du rangement? On va pas avoir de rangement de l'autre côté. Par contre, ici, on va avoir le local technique. Donc, pareil, cette caravane est autonome. Elle est équipée d'un panneau solaire, d'une batterie, d'un chargeur, d'un convertisseur, il y a tout ce qu'il faut. Bon, là, tu peux mettre 2-3 petites affaires. Mais disons que ça reste principalement, je pense, technique. Si tu peux planquer quelques bouteilles là pour l'apéro. Hein? Ah tiens, ça, c'est intéressant aussi. C'est un petit chauffage 12 volts. Donc celle-ci, il y a un chauffage 12 volts pour chauffer l'habitacle. Et là, on retrouve un deuxième panneau de contrôle avec aussi des prises électriques, prises 12 volts et différents interrupteurs pour les lumières intérieures, extérieures, etc. Je viens de chercher les interrupteurs pour allumer les deux petites LED là. Regarde ça un peu comment c'est mignon. Donc sur ce modèle, on est aussi tout capitonné. Ça, ça apporte une chaleur, je trouve, et un design intérieur super sympa. On est tout capitonné. Au niveau de l'isolation, c'est pareil. On a à peu près 0,5 d'Armaflex. Après, on a du styroform. Je ne sais plus, je ne sais pas si je me trompe pas dans le terme. Je vous mets une photo de l'échantillon de Charme Caravaning. Et ensuite, tu as le bois et le capitonnage. Donc niveau... isolation, on est prévu aussi pour du 4 saisons. Hein. Donc, isolation, chauffage, éclairage, électricité. On quadrille vraiment tous les éléments essentiels pour pouvoir voyager en week-end, en semaine ou même sur du plus long terme avec ce type de caravane. Niveau luminosité, bah, on a les deux portes, hein, comme vous avez pu le voir. Une là et une ici que j'ai refermée. Et on a aussi deux fenêtres. Deux fenêtres avec moustiquaire et l'occultant. Voilà, comme ça, on est bien pour la nuit. Et ça, des deux côtés. On retrouve aussi les petits ports USB. Enfin, niveau prise, etc. Ben, il y a tout ce qu'il faut hein, pour un petit espace. Et j'avais un doute à l'instant, mais non. Il y a bien les moustiquaires aussi sur les deux portes. Parce que tu vois, quand tu es posé près d'un lac comme là, ben, si tu n'as pas de moustiquaire, tu peux être sûr que tu vas te faire bouffer. Donc là, hop, tu déroules, tu zippes. C'est pratique. Franchement, c'est vite fait. Tac. Tu zippes jusqu'en bas et tu as ta moustiquaire. Voilà. Bon, maintenant, le couchage du bas. C'est quoi? Je vais le faire à une main pour te montrer à quel point c'est simple. Donc, comme je t'ai dit, couchage enfant ici ou pour les petites personnes. Voilà. Et là, tu as les coussins. Clac. Tu en envoies un dans le fond parce que c'est là-bas qu'on mettra les pieds. Et... le deuxième coussin, clac, à une main, je te fais le lit. C'est vraiment vite fait à mettre et à enlever. Voilà, et donc là, tu as un grand lit, je te dis, de 200 à peu près par 150 de large. Un grand couchage où tu peux être deux, voire deux adultes, un enfant, après en fonction des besoins et du type d'aventure. Hein. Il y a vraiment de la place. Je te montre le toit relevable vu de dessus, ce que ça donne. Donc pareil, qui se déplie facilement, mais qui est indispensable. Ça permet vraiment d'avoir comment dire, la possibilité de se mettre debout dedans. Et pour nous, c'est vrai que c'est, je trouve que c'est primordial d'avoir la possibilité de pouvoir se mettre debout quand même. Parce que d'être toujours assis, bon, ça repose, mais c'est pas pratique toujours, quoi.
Donc là, tu peux te mettre debout, tu peux bien t'asseoir sur la banquette d'arrière. Bref, c'est vraiment pas mal. J'essaie de chercher les défauts là quand même. Ah si, il nous manque un élément. On a fait le tour, on a vu les couchages, c'est possible. La cuisine, c'est possible. Le chauffage, il y en a. Il y a de l'électricité, il y a une bonne réserve d'eau, il y a la douchette extérieure. Donc par contre, bah, la toilette se fait à l'extérieur. Il nous manque Monsieur Toilette. Eh bien, Monsieur Toilette, il faut qu'il soit dans le coffre de la voiture ou dans un des coffres, un petit toilette sèche ou un petit toilette mobile. Mais ça, pour moi, c'est indispensable à rajouter. Mais ça reste des éléments mobiles qu'on peut ajouter, choisir. Il y a plein de types de modèles, des petits, des moyens, des grands, des confortables ou des moins confortables. Ils en font même en carton maintenant. Donc, si tu veux gagner du poids, c'est aussi possible. Bon, ben voilà, on a fait le tour ensemble. Franchement, que de belles surprises. Quoi dire ? Idéal à 2, bien à 3, plus avec la tente de toit. Et sinon, bah, tout le reste en termes d'équipement, il y a vraiment tous les indispensables. Alors là, on est sur un modèle vraiment plus belle saison quand même, je trouve, pour profiter bien de la cuisine à l'extérieur, pour pouvoir faire sa toilette à l'extérieur, etc. Même si elle est isolée pour un usage annuel, elle est chauffée, comme je vous l'ai expliqué. Bah, je trouve que c'est un modèle plus adapté pour la belle saison ou pour les pays chauds. Si tu veux partir en aventure dans des pays chauds, mais sans problème. La cabine de douche, je ne voulais pas spécialement montrer, mais à l'extérieur, c'est vraiment bien. Elle descend, ça fait une vraie cabine, tu mets les sardines et tout. Après, il y a pas mal de possibilités aussi au niveau des hauts vents pour agrandir l'espace extérieur, pour s'abriter. C'est-à-dire que même par temps de pluie, tu peux aussi manger à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour rappel, merci à Charm Caravaning pour leur accueil. Vraiment, ça m'a fait plaisir de les voir, de les revoir, de découvrir leurs produits. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des besoins spécifiques, à les contacter. Je vous mets toutes les informations de toute façon déjà sur la caravane, descriptif technique dans la description. Je vous mets aussi le lien de leur site internet, etc. N'hésitez pas à les contacter si vous avez un projet ou autre. Ils sauront répondre à vos questions techniques ou autres. En termes de budget aussi, là pour vous donner une idée, on est aux alentours de 20 000 euros sur celle-là, mais n'hésitez pas à consulter leur site ou à les appeler pour avoir vraiment le tarif en fonction du modèle qui vous plaît. Ça m'a fait super plaisir. Vous imaginez pas comment je suis excité avec ce type de caravane. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la famille Rose dans les prochains mois, les prochaines années, mais je peux vous dire que ça va pas rester une anecdote. Voilà. Mais en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon voyage, bonne journée et à bientôt. Bye bye.